les amis. Oh là là les amis. On va cuisiner ensemble, je suis très très content aujourd'hui. Je vous laisse arriver tranquillement. Alors, j'en profite pour vous dire au niveau des ingrédients, vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout. Hein. Donc là, les pépites de chocolat, c'est important de les avoir. Si vous ne les avez pas, prenez une tablette de chocolat, coupez-la en petits cubes. Okay. Ensuite, les amandes concassées, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une obligation. Et les raisins secs, ce n'est pas une obligation. D'accord. On peut faire la recette sans ces trois éléments. Ok. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Je vous laisse arriver tout doucement et on va pouvoir commencer à réaliser notre petite recette de ouf. Voilà, les amis! Je me connecte rapidement. Alors, dites-moi si vous êtes prêts. Et si vous avez tous les ingrédients de préparer, vous êtes, si vous êtes prêts à attaquer, dites-moi oui, que je voie un petit peu combien on est à réaliser la recette. Ouais, je vois Séléna, coucou Séléna, tu assures, bravo. Je vois Farid, je vois, oh là là, vous êtes nombreux là. Ça commence à arriver. Ok, vous êtes prêts les amis? Alors, est-ce que tout le monde a ses ingrédients, les amis? Vous avez préparé ce qu'il fallait? Je vais me répéter. Donc ici, j'ai 230 g de farine. Ok, aujourd'hui, on réalise des cookies, vous l'avez vu sur la miniature. Donc 230 g de sucre, de farine. Farine les amis, 230 g de farine, oula ça commence. Ici j'ai du sucre, alors sucre cassonade et sucre blanc. J'ai également une pincée de sel de Guérande, ok. Ici j'ai 6 g de levure chimique. Au niveau du beurre, le beurre mou vous le passez un petit peu au micro-ondes. Là on a 110 g, ok. Ensuite on a un œuf, ok. Hop là vous voyez l'œuf, il est là. Ensuite on a la vanille, on mettra une cuillère à soupe de vanille. Et après on a donc les pépites de chocolat, donc 100 g de pépites de chocolat, j'ai mis 2 poignées d'amandes grillées, donc concassées. Et là on met des raisins secs que j'ai mis à tremper dans l'eau depuis une demi-heure, les amis, d'accord? Mais ces trois ingrédients, je me répète encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Je vous laisse arriver tout doucement, je vous laisse vous préparer les amis, je vais lire un petit peu vos messages. Coucou, salut Rosta, Amar, bonjour, Emma, bonjour, Clémence, bonjour. On va essayer de remonter plus haut là, pour dire bonjour à tout le monde. Soleha, bonjour. On attend encore un petit peu la famille et on va se préparer. Alors, préparez votre bol. Vous préparez votre bol. Vous préparez certainement une marise. Si vous avez une cuillère à glace pour former des boules, préparez-les. Préparez-la. Préparez un fouet. Ça peut être intéressant aussi pour mélanger au départ le sucre et le beurre, et ensuite préparez votre plaque avec un papier cuisson dessus. Je vais préparer pour moi deux plaques et mettez votre four à préchauffer à 180 degrés ou 175 degrés, d'accord? Pour l'instant on se prépare, on fait ça. N'hésitez pas, venez sur mon Instagram, je vais vous donner le lien ici, et en même temps réclamez vos 4 recettes gratuites. Je vous envoie ça tout de suite. Ok, vous avez reçu. Alors, je vais vous mettre les ingrédients donc, en dessous de la vidéo hein, pour ceux qui arrivent en retard. Alors, il faut que je fasse un copier-coller, les amis, ça va prendre 30 secondes. Aïe, qui c'est qui est là? Bonjour, oula, ça va très vite. Anne, bonjour, Bibou, bonjour. N'inquiétez pas, les amis, on va commencer, mais je laisse arriver tout le monde de façon à ce qu'on fasse une petite recette en simultané. Et qu'on se fasse plaisir aujourd'hui. Moi de mon côté, je suis prêt normalement, si tout va bien. Donc j'ai fait ce format-là, je pense que c'est plus visible pour vous. Hein. Voilà, parce que avec le plan de travail de l'autre jour, on ne voyait pas trop bien. Alors, salut, j'aime bien quand tu nous... Ouais. Ok, ça va très vite ça. Oula, attendez, je vais prendre déjà le... Je vais copier-coller les ingrédients, je vous mets ça en barre d'infos. Et on va pouvoir... Commencer la recette, on va la commencer dans moins de 5 minutes. Je vais être sûr que tout le monde soit prêt. Aïe, la famille. Alors, je fais un copier-coller de tous les ingrédients. Ok, je repars sur le live. Je vous mets les ingrédients dans le chat. Je vais essayer de voir si ça passe. Ah, ça passe pas dans le chat. Hein. Je vais vous le mettre en dessous de la vidéo alors. Dans les commentaires. Vous avez donc tous les ingrédients. Allez, je publie. Hop, je vais épingler mon commentaire. Comme ça, vous allez tous pouvoir le voir. Ok? Alors, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Ouh, on est déjà 600 presque. Oh là là, les amis! Hey, explosez la barre de j'aime, la famille.
Les j'aime, on y va sur les j'aime, on y va sur les likes. Alors dites-moi si vous êtes prêts. Mettez juste prêt. Dès que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts, on va pouvoir commencer. Alors, on est prêts, oui. Prêt. Waouh, vous êtes prêts alors? On fait le décompte ensemble? On y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Alors, on récupère le bol ici, qu'est-ce qu'on fait? On va y mettre le sucre. Alors, les deux sucres, donc sucre roux, cassonade, sucre blanc et la pincée de sel de Guérande, ok? Vous voyez bien la famille, hein? Hop là. Ensuite, on va mettre le beurre. Alors, le beurre, on met le beurre. Alors, j'essaie de choper la Maryse. Par contre, je vais y aller doucement, la famille, hein, parce que je sais que. Voilà. Je sais que chacun doit y aller à son rythme. Donc, je vais respecter un petit peu votre vitesse de travail. Alors, vous voyez bien, la famille, ce qu'on a ici? On a les deux sucres. Je dis ça aussi pour ceux qui arrivent en cours de route, ok? Les deux sucres, le sel et le beurre, ok? Je vais encore regarder pour être sûr que tout le monde soit prêt. Vous êtes prêts ou pas? Mettez-moi prêt. Ou alors mettez oui. Prêt. Tu peux me donner les quantités. Les quantités, tu les as en dessous de la vidéo. J'ai fait un copier-coller, tu as les quantités en dessous de la vidéo, ok? Je vais essayer. Ah, c'est pas possible dans le chat. Mais par contre, en dessous, tu l'as. Sinon, tu vas sur l'onglet communauté et tu as les ingrédients, ok? Donc oui, prête, ok. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, hein? Prête. C'est incroyable ça. Allez. 601, c'est énorme. Allez-y, explosez la barre de j'aime, la famille. On est à 166, il faut plus que ça, les amis, plus que ça. Et si vous aimez ce format de vidéo où on fait des recettes ensemble, dites-moi ça en commentaire, parce que la prochaine vidéo que l'on va faire ensemble, elle est terrible. Allez, je récupère le fouet ici, et je viens mélanger. Donc le beurre, vous le passez bien un petit peu au micro-ondes, ok? Il ne faut pas qu'il soit trop dur, hein. Et là, on mélange, ok? Vous voyez bien, les amis? Est-ce que vous voyez bien? Je crois qu'à la fin, je vais faire tomber mon bol, vous allez tous vous marrer, et on n'aura pas de recette, hein. Allez, on mélange. Donc attention, le beurre, il faut qu'il soit bien bien mou pour qu'il puisse bien se mélanger au sucre. Hein. On est d'accord. Hein. Si jamais vous avez du mal, vous mettez une paire de gants et vous écrasez à la main, vous allez voir, ça allait aller 10 fois plus vite. Hein. Donc là, je fais semblant de ne pas aller trop vite, justement pour vous permettre à tous de vous organiser et de suivre la recette en temps réel. Ok? Donc vous avez vu, ça se mélange assez bien. Ok? Est-ce que vous voyez, les amis, là? On dirait que je tiens mon petit bébé, là. Il est chelou, les gars. Allez, on prend l'œuf. Hop là, vous voyez les amis, on a mis l'œuf. Hein, ok? Je récapitule pour ceux qui viennent d'arriver. On a mis le beurre, le sucre, les deux sucres, le sel et on vient de rajouter l'œuf. Ok? Allez, on mélange. En même temps, je lis vos commentaires. Clarisse, elle est là, toujours au rendez-vous. Bravo Clarisse, l'ambassadrice de la chaîne Cuisine Rapide. Il serait temps qu'elle ouvre aussi une chaîne parce qu'apparemment, elle aura fait toutes mes recettes et elle assure en cuisine. Alors, vous êtes nombreux, Yamina, bonjour. Et qui encore? Il y a Sokaina. Oh là là, vous êtes nombreux, les amis. Ok, vous avez vu ce qu'on fait ou quoi là? Allez, là on a crémé donc le tout. Ensuite, on va tamiser. Alors, dans un premier temps, ici je récupère la farine, donc 230 g de farine. C'est bien ça, hein? Et 6 g de levure chimique. Ok? Alors, ce que je conseille généralement. Hop là. C'est de mélanger ces deux éléments, d'accord? On mélange la levure chimique avec la farine, ok? Et ensuite, on va venir tamiser. Alors moi, je vais prendre le tamis que j'ai utilisé déjà ce matin. Par contre, juste avant la famille, enfin juste avant, on pourrait le faire après, hein, on va mettre la vanille liquide. Parce que la vanille liquide, elle se mélange bien avec le sucre et le beurre et l'œuf, ok? Les amis, est-ce que vous suivez? Si vous suivez, mettez « je suis ». Ou alors ça va, ok? Faut que je sois sûr que tout le monde... Coucou, c'est Raphaël, coucou Raphaël. Au secours chaque fois que... Ok. C'est bon? Super, bon, yes. Vous suivez, hein, c'est bon. Je vais être sûr que tout le monde suit, les amis. Hein. Ça va, je suis, ok. Allez, on mélange. Ici, je récupère le tamis. Et on vient donc tamiser. Juste pour être sûr, est-ce que vous m'entendez, les amis? Oui. Vous m'entendez ou pas? Tout le monde m'entend? J'attends vos réponses.
Les ingrédients, en bas de la vidéo les ingrédients, tu les as en bas de la vidéo. Sinon tu vas sur l'onglet communauté et tu as les ingrédients. Tu peux aller aussi sur mon Instagram, il y a tous les ingrédients aussi dessus. Oui, oui, tout le monde entend, donc génial, les amis, génial. On t'a mis sa famille, d'accord? Alors on t'a mis ça. Et comme aujourd'hui c'est opération Rabinou le Rabinou, il reste ici un petit peu de grumeaux, de levure, on l'a payé les amis, hein. On le passe, hein. Hors de question que l'on gaspille. Ok? Vous voyez, donc là normalement on devrait prendre la cuillère en bois. Alors, je vais retirer le fouet. Et là je vous laisse aller prendre la cuillère en bois, sinon vous prenez une paire de gants. Je pense que je vais faire. Oula, je vais faire ça, je vais prendre une paire de gants. Alors la cuillère en bois, dans un premier temps, c'est pas grave. J'ai un abonnement vaisselle moi. Ok? Ici on mélange. Alors je m'assure que sur le plan de travail, bon, il ne nous reste plus que les ingrédients pas trop importants à mettre à la fin. Donc ici on mélange, ok? Alors, si vous avez les mains bien propres, débactérisez au vinaigre, les amis, je le dis tout le temps, débactérisez-vous les mains au vinaigre, on va pouvoir finir le travail à la main. Moi, je vais récupérer des gants pour éviter que dans les commentaires, ils disent « Ah, il est drôle, les gars, il tue ses mains, c'est dégueulasse !» Vous êtes combien, là, les amis, là? Vous êtes 600, environ 600 sur le live. Hey, salut, ma Fatima, comment ça va? Il y a ma mère qui regarde la vidéo. Ah, allez. Je retire la cuillère en bois, c'est pas grave, on va faire de la vaisselle pour rien du tout. Et là, vous voyez bien les amis, hein. Et là, voilà, on écrase, ok? On écrase. Dans le pire des cas, si jamais votre préparation est trop sèche, parce que tout dépend de la farine que vous avez, il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. N'hésitez pas à remettre une ou deux cuillères à soupe d'eau, dans le pire des cas, hein, si jamais c'est trop sec. Mais là, normalement, ça devrait aller, hein, ok? Donc là, on mélange correctement. Ok, alors là maintenant je veux être sûr que tout le monde est à cette étape là avant de rajouter les autres éléments. Vous avez préchauffé le four les amis, à 180 degrés, préchauffez votre four si ce n'est pas fait encore. Alors, préparez vos plaques aussi, je vous laisse le temps. Donc là vous voyez, on est en train de, voilà, de récupérer toute la farine qui se trouve sur le fond. Ok, alors une fois qu'on a fait ça les amis, il faut d'abord que j'aille voir dans les commentaires ce qui se passe. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde est OK? Rabinou, tu te souviens de moi? Pure 83. Coucou, Pure. Il y a énormément de monde. Je ne peux pas me souvenir de tout le monde, mais coucou. Coucou. Alors, peut-on faire la recette sans la cassonade? Oui, tu prends que du sucre blanc, ça marche aussi. Hein, il n'y a pas de problème. Très bonne question. Alors, la pâte est prête. Vous êtes prêts alors, hein? Pourriez-vous faire la vidéo comment faire? Oh là, ben, on verra ça après. Là. Pour l'instant, on veut la recette des cookies. Cassonade, sucre, je suis, tout le monde est prêt, ok. Vous êtes à cette étape-là ou pas? Est-ce que tout le monde est à cette étape-là? Oui, oui, oui. Obligé le raisin sec, non. Raisin sec, pépite de chocolat, amande grillée, pas obligatoire. Après, si on veut plus de saveur, plus de goût, oui, bien sûr, plus de gourmandise. Mais dans le pire des cas, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Ok, tout le monde suit, génial. Alors, dès qu'on arrive à ce niveau-là, ici j'ai les amandes grillées. Amandes grillées concassées, on les met dedans, ok. On vient les mélanger comme ceci rapidement. Ici, j'ai les pépites de chocolat. Tout le monde connaît les pépites de chocolat. Hop là, on les met dedans. C'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Hein. En même temps, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ici, j'ai les raisins secs, les amis. Raisins secs que j'ai mis à tremper dans l'eau depuis déjà une demi-heure. On est bien d'accord, hein. Ok. Si vous n'avez pas, je me répète encore, si vous n'avez pas les raisins secs, si vous n'avez pas les pépites de chocolat et les amandes, vous pouvez faire la recette, il n'y a pas de problème, hein, ok? Allez, on verse le tout. On verse le tout. Donc, je vous laisse le temps de vous préparer. Je range mon petit bazar. Hop là. Je range mon petit bazar, les amis. Et on revient à la recette. Ok. Ici, je récupère donc voilà, la pâte, je viens écraser comme ceci, hein, d'accord? Et là, ça c'est de la tuerie, ça, les amis. Hein. Alors, est-ce que tout le monde suit? On est OK ou pas? Alors, dommage que la liste des ingrédients ne soit pas affichée. Tu l'as sous la vidéo, louloute! Attends, je vais regarder, je t'ai mis ça sous la vidéo. Sous la vidéo, tu as un bouton, si tu es sur smartphone.
Normalement, si tu es sur smartphone, tu as une flèche sur la droite, tu cliques dessus, tu as les ingrédients juste en dessous de la vidéo. Si tu es sur PC, tu as un bouton plus, enfin pas un bouton, ouais, tu as un bouton plus, tu cliques dessus sur le plus, hein, il est tout petit. Hein. Et là, tu vas pouvoir avoir les ingrédients de la recette. Qui est chaud pour une prochaine recette, les amis, hein? Je vais vous annoncer ça peut-être demain. Je vais vous demander de vous préparer pour dans 2 jours pour qu'on puisse faire une recette ensemble, ok? Bon, les amis, la pâte à cookies est prête. On va pouvoir passer à la suite. Alors. Waouh, du plus sénégal, monsieur, mais c'est génial ça. Et un jour, on fera un poulet yassa ensemble, la famille. Un poulet yassa ensemble. Je viens de m'abonner. Bravo, merci. Yes, yes. Non, c'est vous qui êtes géniaux, c'est pas moi. Allez. Là, je retire le gant. Allez, il y a des qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le récupérer le gant pour la prochaine recette ou pas? Non, non, pas le gant. Pas le gant. Allez. Quoi que je le mette de côté, on verra. Si j'ai du ménage à faire ou quoi. Bon, la famille. La pâte est prête. Ici, nous avons nos plaques. Plaques de cuisson avec un papier, avec un revêtement dessus. Papier cuisson. Okay. La cuillère à glace, vous n'êtes pas obligé. C'est pour avoir des formes régulières. Ce qu'on va faire, regardez bien la famille. Je vous montre, vous voyez bien. On récupère ici une boule. Alors, on a les mains bien propres, évidemment. Ah, les amis, vous allez encore me faire des remarques. Je vous connais, les amis, voilà. Hop là, un petit peu de vinaigre blanc. On s'est lavé les mains juste avant, pas de problème. Et là, on va pouvoir attaquer nos boules. Donc là, on a fait la boule. Vous avez vu? On va juste l'aplatir un petit peu. On l'aplatit un petit peu, pas trop, hein, et on la dispose sur la plaque. Est-ce que vous voyez bien la famille? Ok? Donc là, le four, il est en train de préchauffer. Au niveau de la cuisson, on va partir certainement sur 15 minutes, pas plus, hein, d'accord? À 175 degrés, ou peut-être moins. Donc là, je fais exprès de ralentir un petit peu pour vous permettre de bien avancer. Alors, depuis la Corée du Sud, coucou la Corée! Selena m'a dit, j'ai mis sur plaque, prête pour enfourner. Voilà, t'es rapide toi. T'as l'habitude en même temps. N'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne de Selena Cuisine. Hein. Selena Cuisine, les amis, elle fait des choses intéressantes aussi. Elle me suit énormément sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir, allez vous abonner aussi pour l'encourager. Ok, on peut passer à la suite ou pas, les amis? Bon, remarque, le temps de faire de portionner les cookies. Alors normalement, les pâtes à cookies, comme ça, il faut les laisser reposer. D'accord? Cette recette, pas besoin. Par contre, on va les espacer un petit peu parce que sinon, on peut avoir des surprises, la famille. Ok? Alors, là, on les dispose en quinconce. En quinconce, c'est ça, les amis. Hein, regardez. Tout le monde voit bien? Ok. Alors, je lis les commentaires en même temps. Je vois toujours pas les ingrédients. Evelyne, écoute bien s'il te plaît. En bas de la vidéo, tu as le bouton plus. Regarde, descend. Juste en bas de la vidéo, tu as le bouton plus. Tu le vois le bouton plus? Tu cliques dessus et tu as les ingrédients qui défilent. C'est bon ou pas? Allez, on continue. Est-ce que tu as trouvé les ingrédients? Dis-moi oui pour me rassurer parce que là, je vais pas bien dormir ce soir. Hein, je me connais. Hein. C'est trop bien les recettes en direct, c'est Fatima, merci Fatima, ça me fait plaisir. Bah du coup moi ça me fait plaisir aussi parce que j'ai pas de montage à faire en fait. Hein. Quand c'est des directs, pour moi c'est pas si facile, c'est facile. J'ai pas intérêt à implanter aussi parce que souvent, c'est quand on fait des directs qu'on oublie un petit truc, un petit détail, et puis à la fin on se fait avoir. Donc les directs c'est bien, mais faut être préparé quoi. Les amis, petit pouce pour le petit tablier rouge. Allez, petit pouce. Il manque plus que le petit logo ici, cuisine rapide. Il n'y a pas de bouton plus, mais en bas de la vidéo, regarde juste là, en bas, tu as un bouton plus, petit bouton plus. Il n'y a pas de couleur dessus, il y a marqué plus. Tu cliques dessus et tu as les ingrédients qui défilent. Si tu es sur smartphone, tu as une petite flèche sur la droite. Ok? Sinon, fais-toi aider dans la famille. Hein. Tu peux bien avoir, une soeur, une cousine ou quoi, tu lui passes un petit coup de fil, elle va te dire. Hein. Il y a toujours quelqu'un autour de nous qui maîtrise un petit peu le... L'internet, comme on dit, hein, l'internet est mieux que nous. Bon, il va falloir que je me dépêche, moi, parce qu'il y a un quart d'heure de cuisson. Il faut que je comble les trous pendant un quart d'heure. J'ai rien préparé du tout, les amis. Hein. On va se chanter une petite chanson, je pense.
Si toi aussi tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Et il a tant de tables les abonnés, tape dans tes mains. Il a tant de tables les abonnés, tape dans tes mains. Bon, on revient à la recette, hein. Vous arrêtez un peu vos conneries, là. Allez, vous avez trouvé ou pas la recette, là? J'appuie sur la flèche, il n'y a rien. Tu dois pas être connecté sur un portable, toi. Tu dois avoir une machine à écrire à l'ancienne. C'est pas possible, il y a un truc, là. Alors, si tu n'as pas les ingrédients, note-les. Prépare un papier et un stylo, allez. Je te laisse préparer un papier et un stylo. Prépare un papier et un stylo, je vais te les annoncer, d'accord? Allez, 230 g de farine, 80 g de sucre blanc, 80 g de cassonade. Si tu n'as pas la cassonade, tu peux prendre au total 160 g de sucre blanc. On est bien d'accord. 110 g de beurre, un œuf, 6 g de levure chimique, okay, 100 g de pépites de chocolat ou 150 g. 2 poignées d'amandes concassées, c'est pas obligatoire. Chocolat et amandes concassées, c'est pas obligatoire. Une pincée de sel, une cuillère à soupe de vanille liquide. Et on a mis également des raisins secs. Donc une belle poignée de raisins secs. Ok? Dis-moi que tu as noté la recette. Rassure-moi. Allez. T'as oublié, c'est sûr? Mais non, j'ai rien oublié. Où est la recette en fin de vidéo? Mais vous êtes formidables, je vais la répéter encore. Une dernière fois, les amis. Hein, parce qu'après, c'est trop tard après. Allez. 230 g de farine, 80 g de sucre blanc, 80 g de sucre cassonade. Si vous n'avez pas la cassonade, vous prenez du sucre blanc. Au total, 160 g. 110 g de beurre, beurre mou, hein, un œuf, 6 g de levure chimique, 100 g environ de pépites de chocolat, 2 poignées d'amandes concassées, une pincée de sel, une cuillère à soupe de vanille liquide. Et les raisins secs si vous avez, ok? Alors, on arrive à la fin. On arrive à la fin, donc ce sera un mini cookies, ok? Je pense que je n'ai pas de enfourner, j'aurais dû en enfourner un tout à l'heure. Donc là, on va partir sur... Alors... Je pense que je vais mettre 15 minutes, ok? On enfourne la première fournée. On enfourne la première fournée, vous voyez bien ou pas? Attendez. Est-ce que vous voyez ce que je fais, les amis, là? Attendez, je vais vous faire voir le four. Je vais tout vous faire voir en direct. Voilà. Voilà. Je ne vais pas descendre trop bas, sinon vous allez voir mes talons aiguilles, et j'ai pas envie que vous le voyez. Hein. Hop, hop là, vous voyez, les amis, au four, je remonte, et on laisse cuire pendant 15 minutes. Dalal, grosse dédicace pour toi, grosse dédicace. Alors, je ne les mets pas tous les deux en même temps, parce que ça crée de la condensation, de la vapeur, et puis après, on n'a pas vraiment le petit croustillant sur le côté et le moelleux à l'intérieur. Donc là, on y va tout doucement, plaque par plaque, ok? Est-ce que vous kiffez le live, les amis? N'hésitez pas. Oula! On est presque à 500 j'aime. Pas loin, pas loin. On est déjà à 531 visionnages. C'est terrible, les amis. On vient de commencer la vidéo il y a à peine 20 minutes, 23 minutes. Et on a déjà presque la moitié des likes attendus pour cette recette. Donc là, 15 minutes pour la cuisson des cookies. Est-ce que tout se passe bien? Je regarde. Bon, ça va. Ça a l'air d'aller, les amis. Hein. Alors, je vais pouvoir répondre un petit peu à vos commentaires. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine recette en live? Ne me dites pas une pièce montée, parce que les familles, c'est pas possible. La pièce montée en une heure, non, non, non. Ne me demandez pas ça, mais n'hésitez pas à me demander un petit peu ce que vous voulez. Je vais me faire un plaisir de vous faire plaisir, parce que je vous kiffe de ouf. Ouais, Clarisse, t'es encore là, bravo. Ça me fait plaisir, Clarisse, je te vois partout. Sur Instagram, sur YouTube, t'es partout, c'est génial ça. Alors, Elodie, coucou. De la glace, on va faire de la glace. Pour la glace, écoute-moi bien pour la glace. Je vais en préparer une la veille qui sera prête au congélateur, ok? Je vais vous en montrer une qui sera identique. Comme ça, on va gagner ce temps de glaçage en fait. Hein, tu as compris, le temps que ça prenne. Nous, on va on va le gérer, on va le gagner, d'accord? Et je vais te montrer comment faire de la glace maison. N'hésite pas à me dire si tu veux voir de la glace chocolat, glace fraise, ce que tu veux voir. Dis-moi ça en bas dans les commentaires. La glace, remarque, ouais, là il commence à faire beau. Poulet KFC, oui, on peut faire du poulet KFC, Rebecca, il n'y a pas de problème. Yamina, du couscous.
Non, le couscous, moi je le fais en vitesse grand V, d'accord? En express. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu la thématique de ma chaîne, cuisine rapide. Maintenant, si vous voulez un vrai vrai couscous, sincèrement, je peux vous le faire, mais le problème c'est que ça va prendre beaucoup de temps parce que le temps d'utiliser la couscoussière pour réaliser la semoule, la débarrasser, la remettre, tout ça, c'est du boulot. Et ça risque de vous faire peur. Des palettes bretonnes, tu veux dire des galettes bretonnes? Oui, on peut faire ça, bien sûr. Un gâteau roulé, bonne idée. Gâteau sans cuisson, bonne idée. Nagrom, bonjour. Oui, possible. Tu es le meilleur, mamie. Ah, non, je ne suis pas le meilleur. Je suis un grand passionné, peut-être le plus passionné de tous les passionnés. Peut-être, mais encore, c'est pas sûr. Ça m'arrive, je vous ai dit, je me lève des fois à 3 h du matin. Écoutez-moi bien, les amis, je ne dis rien à ma femme. Je me lève à 3 h du matin en mode panthère rose, là. Tu vois, la nuit, là, je me réveille comme ça. Pour pas faire de bruit, pour aller en cuisine, pour essayer de cuisiner un truc, parce que les pulsions, ça me prend dans la nuit, je te jure. C'est un truc de ouf. Je suis tellement passionné par la cuisine que je pourrais passer des heures. Bon, Nas, vous voyez pas les ingrédients? Bon, mais je vais les répéter, les amis, je vais les répéter, les ingrédients. Est-ce que tu vois les ingrédients? Est-ce que tu arrives à voir? 230 g de farine, 80 g de sucre blanc, 80 g de cassonade, c'est du sucre roux, 110 g de beurre mou. Un œuf, 6 g de levure chimique, 150 g de pépites de chocolat, 2 poignées d'amandes concassées, une pincée de sel, une cuillère à soupe de vanille liquide, des raisins secs, donc une poignée qu'on a mis à tremper dans l'eau. Les amis, pour ceux qui veulent encore la recette, vous faites une marche arrière du live, petite marche arrière du live, et vous notez la recette, ok? Alors, Sylvia me dit moins vite. Je suis pressé, moi, je suis pressé! Je suis pressé de déguster là. Alors, on est où là? Oh là là, les amis! Bon. Alors. Les amis, dites-moi si pour vous c'est bon, si c'est au four. Dites-moi, oui, c'est au four. Oui. S'il vous plaît. Ah, il y en a une qui a noté la recette. Mais t'es génial, toi! Génial, merci Evelyne, super. Ouais, t'as fait un copier-coller, bravo. Alors, recette à base de poisson, oui, il y en a déjà sur ma chaîne. Ah, c'est Rochdi, salut Rochdi, salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Rochdi, j'espère que tu fais la recette aussi, hein. Et là, cette fois-ci, t'inquiète pas, il y aura la rediffusion et tu pourras revoir le live. Un poulet frit. Un kébé libanais, pourquoi pas. Des recettes pour le ramadan, ça arrive la famille, ça arrive, ça arrive. Oui, depuis 10 minutes que ça cuit pour toi? Ouais, t'as été plus rapide que moi alors. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Tout va bien? Moi j'ai un four, j'ai mon four qui cuit plus d'un côté que de l'autre, donc peut-être qu'il va falloir que je retourne la plaque. Donc je surveille. Vous me voyez les amis, je suis là, hein. Oh, je suis pas parti, hein. Je suis encore là. Et il a fait ton tableau les abonnés, t'as rien compris. Dis que si toi, si tu kiffes tes abonnés, t'as dans tes mains. Si toi, si tu kiffes tes abonnés, t'as dans tes mains. Je me fatigue moi-même. Que des recettes faciles à réaliser. Merci pour la bonne humeur. C'est pas à ce stade-là, c'est pas de la bonne humeur, hein. C'est de la folie. Hein. Ouh là là les amis. Ah, soupe rapide pour le ramadan, de la harira, avec plaisir, ou de la shorba. Surtout pas de glace, les médecins ont dit que... Oh, ratez un peu vos bêtises là. Cookies à la poêle, ça va être compliqué ça. Je retourne les cookies là parce que je sens la petite odeur de grillé sur le côté là. Hop là. Alors surtout quand vous allez sortir tout à l'heure vos cookies, vous y touchez pas. Vous les laissez sur la plaque. Vous attendez 8 minutes environ que ça durcisse un petit peu et ensuite vous les sortez de la plaque. Sinon vous allez les effriter. Ok, alors. Ah, t'es fière de tes loulous, Clarisse? Bravo, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Ils ont encore réussi quelque chose. Au niveau des recettes, c'est sûr. Fanny me dit des chips. Tu veux des chips? Et là, on est en plein confinement. On cherche
à perdre du poids et toi tu nous proposes des chips. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'on devienne énorme ou quoi? Justement, j'ai mis en place sur moi, les amis, une petite astuce pour perdre du poids ou pour ne pas en prendre. Et je vous dirai ça après le confinement, une fois que vous serez bien énorme. Non, je plaisante. Je vous le dirai bien avant, mais voilà. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir l'astuce, si vous voulez que je vous dise l'astuce ou pas. C'est un truc qui est tout bête, mais qui marche efficacement bien. Vous allez voir. Efficacement bien, je parle bien, moi. Oula. J'ai une question, Rabinou. Mais pose-toi ta question, Toto, là. Ah, Chebekia. Ouais, Chebekia. Il y a une recette dans ma chaîne de Chebekia et de Greywish. Donc, va la voir. Alors, c'est vrai, il n'y a pas la recette d'habitude sur plus. Les amis, partagez ce live, même si on a déjà mis... Ah non, on n'a pas mis la deuxième fournée. Partagez le live, prenez 2 secondes, vous avez le bouton partager en bas de la vidéo. Partagez, je vais partager aussi parce que moi aussi j'ai oublié. Donc partagez ce live. Allez, petit partage sur Facebook, sur Twitter. Waouh. Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Vous avez regardé votre four? Ça commence à colorer sur les côtés? Donc ce qu'on veut, c'est le croustillant sur le côté, mais le milieu, on le veut un petit peu moelleux. Ok? Alors. Si toi aussi tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Il a atteint ta triple les abonnés, t'as l'air de faire des tapes. Dépêche-toi! Je peux pas aller plus vite que la musique, hein, d'accord? Et le four là! Oh, oh, dépêche-toi là! Ils ont faim les abonnés là! Bon, les amis, on commence à voir le bout du tunnel là! Wallah les amis! Je veux une recette avec de l'avoine, ok! Ah ouais, j'ai quoi là? Ici j'ai. J'ai de la farine de sarrasin, la famille, hein! Je vais vous faire du pain avec ça! Pain! Coupé avec de la farine blanche, farine de sarrasin, vous allez kiffer. Hein. Vous allez kiffer, vous allez voir. Harissa de Tunisie, waouh, pourquoi pas. Alors, Bustela, ouais, il y a déjà une recette sur ma chaîne de Bustela. Ils vont pas en faire une, mais express, les amis. Hein. Si tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Si tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Sur la chaîne, allez voir Cookies Nutella. Tartelette framboise, oui, on peut faire ça. Alors oui, Maya me dit j'adore ton énergie, c'est le talamante, j'arrête pas là. La théière elle est là les amis, regardez, regardez. La théière, j'arrête pas toute la journée. Bon, restons sérieux un peu là. Des gaffes de Liège, il y a des gaufres de Liège, pourquoi pas. Bon les cookies. Il nous reste 4 minutes, mais je pense qu'ils sont prêts bien avant les 4 minutes. Je suis là, les amis. Hop là. Hey, je suis là. Hop là, je suis pas là. Hey, je suis là, les amis. Hop là, je suis pas là. Hey, les amis, je suis là. Bon, je crois qu'on va sortir les cookies. On va les sortir, les amis. Je prépare un truc pour ne pas que ça... Pour ne pas brûler mon plan de travail. Bon, je vais prendre ça. Allez, je sors mes cookies. Alors, de mon côté, 13 minutes, 5 minutes, les amis. Vous avez vu? Regardez-moi ça. C'est chaud. Vous voyez ou pas? Ok? Je mets ça dessus. Et je vais enfourner la deuxième plaque. Ok? Wow, wow. Ils sont pas mal. Allez, on enfourne la deuxième plaque. Ok? Si toi si tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Si toi si tu kiffes tes abonnés, tape dans tes mains. Il a plus de problèmes de physique. Il a plus de problèmes de physique. Ouais, ça va, je suis pas bourré, les amis. Hop, 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 hop. Pas de jugement, s'il vous plaît. Bon, je vous montre les cookies de malade. Regardez-moi ça. On les touche pas, on les laisse reposer 8 minutes. Et ensuite, on les dégustera, d'accord? Sinon, ils vont se casser. Ce qui est important, c'est d'avoir. Le côté qui soit un petit peu croustillant et le milieu qui reste un petit peu mou. On est bien d'accord, les amis. Vous voyez bien, les amis? Ouais, tout le monde voit bien, c'est génial.
Vous savez, je suis là dans la cuisine, mais là-haut, ma famille, ils sont hyper contents, ils me voient pas, ils se détendent, je se débarrasse un petit peu de lui parce que voilà. Il nous rend la tête comme ça, je te jure. Des recettes au micro-ondes, promis. On va faire un truc sympa au micro-ondes d'ailleurs. Le micro-ondes est là. Et voilà, j'ai pas mal d'idées. Ça marche. Le secret pour perdre du poids. Aïe 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 les amis. Aïe aïe aïe. Quand tu vas le savoir, c'est tout bête. C'est un truc qui coûte pas cher du tout. Que l'on trouve absolument partout. Et qui est facile à préparer. Tu vois, c'est génial. En fait, moi je l'ai testé sur moi, mais c'est complètement par hasard. Un bon matin, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça pour goûter en fait. Et en goûtant ce truc-là, je me suis dit, mais attends, là il est midi, j'ai pas faim. C'est bizarre. Il est 16h, j'ai pas faim. Il y a un problème là. Il y a un problème. Il est 18h, j'ai pas faim. Et en fait, j'ai retesté le même truc le lendemain matin en augmentant un petit peu la dose. Et j'avais quasiment pas faim, quoi, de la journée. Donc en fait, j'arrivais comme ça à gérer mon stress vis-à-vis de la nourriture et à manger vraiment que des plats équilibrés. Et c'est-à-dire le matin, ce qui me faisait lever du lit des fois, c'était le sucré, quoi, le côté sucré. Et là, en prenant ça, non, plus envie de... Enfin, les fringales avaient disparu complètement. Et ça fait combien de temps? Ça va faire une semaine et demie que j'ai commencé ça. Et je vous dis, je suis en train de perdre du poids et j'ai une patate de malade. Déjà qu'à la base, j'ai une patate de ouf. Alors là, les amis, vous allez me supporter, mais ça va être chaud pour vous. Hein. Ça va être chaud, les amis. On va dévorer les cookies. Ouais, d'ailleurs, heureusement que Selena, tu viens de m'envoyer un message parce que j'ai oublié de remettre la minuterie pour les cookies. Et attendez, faut que je remette la minuterie. Ouais, je vais remettre la minuterie. Donc là, je vais mettre 12 minutes parce que voilà, la fournée précédente, c'était 12 minutes environ. Allez, là, les amis, on va... Oh là là, voilà. Ah ouais, eh. Vous voyez dessous, les amis, là, c'est encore chaud, hein. Dessous, dessus. Alors comme je disais, sur les côtés c'est croustillant, vous voyez bien la famille, hein. Et sur le milieu c'est légèrement moelleux, c'est exactement ce qu'on veut. Si toi aussi tu kiffes les cookies, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes les cookies, tape dans tes mains. Les cookies, le fait il fait. Si toi aussi tu kiffes les cookies, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes les cookies, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes les cookies, tape dans tes mains. Hop là, tout va bien les amis, tout va bien. Est-ce que vous avez cuit votre... Est-ce que votre première fournée est prête, les amis? Dites-moi oui, 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 oui. Oui, oui, oui ou pas? C'est bon ou pas? Ok. Est-ce que vous avez mis la deuxième fournée au four, les amis? Très important. Oui, 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 oui. Maria Jiménez, coucou. Saliha, peux-tu redonner? Mais si, c'est écrit en barre d'infos, mais les amis, les amis. Moi, je le vois de mon côté, tu devrais le voir toi aussi. Oui, ça refroidit, d'accord Christine, ok. Ben moi, c'est pareil, là, ça refroidit. On a mis la deuxième fournée. Ok. Alors, une fois que c'est... je reviens, je vais chercher ma grille. Allez là. Hop là. Hop là les amis, allez. On va poser nos cookies dessus comme ça. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez bien les amis là? Vous voyez? Hop, 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 hop. Vous voyez ou pas? Allez, on laisse reposer encore une fois. Bon. Hey, je suis là les amis. Allez, magnifique. Ça vient d'où patron, pardon? De quoi? C'est quoi qui vient d'où? Moi, je viens de la planète Mars les amis, la planète Mars. Chouvekia, ok. Oui, oui, oui. Bonjour, salut Femme. Salut Femme. Oui, Ouria, bonjour, toutes vos recettes sont vraiment magnifiques. Merci Ouria. On est confiné, ben moi aussi je suis confiné, hein. Si toi aussi t'es confiné, tape dans tes mains. Si toi aussi t'es confiné, tape dans tes mains. Si toi aussi t'es confiné, tape dans tes mains. Si toi aussi t'es confiné, tape dans tes mains. Temps de cuisson. Alors, temps de cuisson, c'est environ 12-15 minutes, ça dépend des fours.
Thermostat, alors moi j'ai mis à 175 degrés, ok, ou 180 degrés. Alimatou, Alimatou, Alimatou! Comment ça va? Merci! Salut Jenny! Ah, faut bien que je fasse un petit peu le fou pour vous faire rigoler parce que être confiné toute la journée, c'est pas marrant. Je sais ce que c'est, mais moi je suis confiné toute l'année pour vous, les amis, pour vous sortir des recettes magnifiques et super faciles à réaliser. Il est temps pour moi de retourner ma plaque. Il est temps pour moi. Je suis là, je suis pas parti, hein. Et hop là, les amis. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé la recette facile ou pas. Parce que là, il n'y a rien de plus facile. Cookies pour le goûter. Aujourd'hui, vous avez votre goûter. Votre goûter réalisé vraiment de manière super facile. C'est, voilà. Au lieu d'aller acheter ça dans le commerce, vous avez plein d'additifs dedans. Vous savez même pas ce que vous avez comme ingrédients toxiques pour la santé. Vous les faites à la maison, c'est toujours mieux en fait. C'est pas à 100% mieux parce que la farine que l'on achète et les autres ingrédients, ils peuvent être toxiques aussi, mais beaucoup moins que ce qu'on trouve dans le commerce. Pourquoi? Parce que il y a moins de conservateurs et moins d'additifs pour avoir, vous savez, le côté croustillant, le côté moelleux. Anissa, coucou! Anissa, coucou! En fait, c'est même pas ma joie de vivre, c'est quand je suis avec vous. Si toi, si tu kiffes tes abonnés, mets ta dans tes mains. Si toi, si tu kiffes tes abonnés, mets ta dans tes mains. Il a retatatrap les abonnés, t'arrêtes de faire des cœurs. Il a retatatrap les abonnés, des cœurs. Oui, ça va, ça va. Si tu me dis ça, c'est Signorita. Oui, ça va, Signorita, ça va. T'imagines la personne qui arrive comme ça sur le live et qui se dit, mais c'est qui ce taré là? C'est qui ce martien là? Bon, ça dit quoi là? Bon, vivement qu'on déguste là, parce que là j'ai faim, les amis, là. Alors, mais j'ai haine là. Ouh là, les amis. Le secret coupe pas. Non, pas encore. Bientôt. D'abord, il faut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Et ensuite, on perdra du poids. Non, c'est pas vrai. Mais laissez-moi le temps de vous mettre ça en place. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Normalement, je voudrais même pas faire une vidéo pour ça, parce que c'est juste deux ingrédients à mélanger et à consommer. Il faut arrêter de boire du thé, me dit Malika. Si toi aussi tu kiffes le thé vert à la menthe, dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes le thé vert à la menthe, dans mes mains. Là, je te dis, rabattre tes plombs. Mais non, je suis content, je suis avec vous aujourd'hui, attendez. Au bout d'un moment, ça fait presque un mois qu'on est confiné. Je pète un câble, moi, mais dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens. Je pète un câble, je me lève la nuit pour aller cuisiner, je me réveille le matin pour aller cuisiner. Dans la journée, je cuisine et voilà. Le confinement, ça m'a rendu un petit peu zinzin, les amis. Juste moi, me dit, je viens d'arriver, la prestation est surprenante. Cool de voir un live de cuisine rapide, en tout cas. Ah, il faut pas oublier les cookies, hein. C'est bien beau de faire le fou, mais si je brûle mes cookies, là, je suis dans la mouise. Hein. Oula, si je brûle mes cookies, je suis dans la mouise. Waouh, j'aurais dû être poète. J'ai raté ma vocation, les amis, j'ai raté ma vocation. Citron et gingembre, c'est pas mal ça aussi. Ouais, Rosie Rosa m'a dit, j'ai une boisson coupe-faim sur ma chaîne, mais c'est pas ça du tout. C'est encore autre chose. Parce que moi, j'expérimente, tu sais, des fois, pendant que vous dormez, vous, vers 3h du matin, moi, je m'envole vers les Martiens, je discute avec eux et j'essaie de mettre en place avec eux des astuces, des recettes et des choses qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien. T'es pas obligé de me croire. Hein. Yolène, elle me dit, c'est pas l'air du goûter chez toi. C'est pas grave, tu les conserves dans une boîte hermétique et tu les d'abord tu les laisses refroidir, ok? Ensuite, dans une boîte hermétique et ensuite tu vas pouvoir justement les prendre pour le goûter. Oh là là, les amis, ça va être bon. Alors, pour moi, ça a mis 12 minutes, les amis, 12 minutes. À 175 degrés, ok? Bisous Rabino, je suis épuisé. C'est moi qui t'ai épuisé, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, les amis. Hein. En plus, j'ai un jardin, j'ai plein de menthe partout. Là, vous allez me supporter tout l'été, les amis. Hein. K.O. me dit, c'est vrai que j'ai l'impression que tu as perdu du poids. Non, j'ai pas perdu du poids.
J'ai minci. Le meloué, j'en ai sur ma chaîne, va voir, chaîne de cuisine Rabinette, chaîne de Rabinou, tu as du meloué très très facile à réaliser. Selena me dit la deuxième fournée est prête, bravo. Selena, envoie-moi les photos sur Instagram comme tu fais d'habitude, ok? Les amis, vous avez le lien de mon Instagram, je vais encore vous le mettre là. Envoyez-moi des photos, taguez-moi sur Instagram justement pour que je puisse voir un petit peu vos réalisations, ok? Bon, on fait quoi les amis là? On retire la plaque. Ouais, c'est bon, nickel. J'éteins le four. On a mis 12 minutes. Waouh, waouh, waouh. Hey, les amis. Oulala, les amis. Vous avez vu? Un truc de dingue. Si toi aussi tu kiffes les cookies, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes les cookies, tape dans tes mains. Il a tapé les cookies, tapé du cœur. Il a tapé les cookies, tapé du cœur. Si toi aussi tu kiffes les cookies, tape dans tes mains. Si toi aussi tu kiffes les cookies, tape dans tes mains. Bismillah, arrête. Allez, rien que dans la vidéo, avant de manger des cookies, je crois que j'ai perdu 400 grammes. Ça veut dire que les calories que je vais ingurgiter là vont compenser un petit peu ce que j'ai dépensé là. Bon, c'est une tuerie, les amis. Waouh! Alors là, faut pas y toucher, hein, les amis, faut pas y toucher parce que faut attendre que ça durcisse. Alors, je reviens, les amis, tout de suite. Hop là! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais! On y va, les amis, vous êtes combien là? Allez, like, on y va, les amis, là, sur les likes! Vous êtes pas assez nombreux au niveau des likes! 611 likes, les amis, je mérite mieux que ça quand même, s'il vous plaît, les likes, allez-y, les amis, allez-y, allez-y. Et vous avez un lumbago du doigt ou quoi, les amis? Allez, je vous montre le cookies, vous êtes prêts, les amis, vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde a réalisé sa recette? On va faire une dégustation simultanée, ensemble, et on va savourer un petit peu le goût du cookies. Tout le monde a sorti ses cookies du four ou pas? Sylvia me demande est-ce qu'on peut les congeler. Ouais, mais c'est dommage. Faut mieux les manger quand ça sort du four, quoi. Et que c'est refroidi. Attends, je débranche le four parce que là. Hop là. Les amis, vous avez vu un peu le cookies? Alors. Les amis, répondez-moi, les amis, là. Est-ce que les cookies sont prêts de votre côté? Est-ce qu'on peut déguster ensemble? Parce qu'ici, il n'y a que moi qui déguste. C'est pas logique. On a fait la recette ensemble, on déguste ensemble, ok? Je repose mon cookies. Je vous attends la famille. Hop là. Là, on peut les déplacer parce qu'ils ont commencé à durcir un petit peu. Avec tendresse et délicatesse, on les déplace justement pour qu'ils puissent refroidir sur la grille. Waouh, 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 waouh. On est en train de faire des cookies de malade, les amis. Regardez-moi ça. Et ça vaut les cookies du commerce, je vous le dis, moi. Regardez-moi ça. Eh, ça a tombé, là. Allez. Franchement, c'est un truc de ouf. Allez. J'attends vos réponses, les amis. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour la dégustation, s'il vous plaît? Alors. J'ai essayé le fraisier. Ok, on parlera du fraisier appelé après, là. Là, on parle des cookies. Vous êtes prêts ou pas? Alors. On est prêts. Fatima, vous êtes prêts? Le reste, vous êtes prêts, le reste ou pas? Prêt. On goûte. Attends, on goûte pas des cookies. Attends-moi, Yannick, là. Annick. Attends. Bismillah, s'il te plaît. Attends. Oui. Merci pour toutes les recettes. Oui. Prête. Tu m'as donné envie de cuisiner, ça fait plaisir. Oula, Selena dit quoi? Oui, prêt. C'est bon, on est prêt, les amis, bismillah. Voilà, les amis! Allez. Bon, je l'ouvre en deux déjà pour que vous voyez bien que l'intérieur est moelleux, vous voyez? Et les côtés sont croustillants, bismillah. J'arrive pas à m'en remettre. C'est super bon, les amis. Allez, franchement, c'est pas trop sucré. C'est délicieux. C'est
C'est bien moelleux au centre, bien croustillant sur les côtés. Vous avez assuré les amis. Je vous kiffe de ouf, n'oubliez pas, on se retrouve demain matin à 9h pour une nouvelle vidéo. En même temps, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut, activez la petite cloche qui se trouve près du bouton abonné pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Sachez les amis que j'ai passé un super moment avec vous, il me tarde le prochain live parce que là, je me suis habitué un petit peu à vous faire des vidéos comme ça en direct. J'ai passé un super moment, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que vous avez réalisé la recette et que vous êtes en train de vous faire plaisir. Les amis, je vous kiffe de ouf, on va se quitter et on se retrouve demain matin à 9h. Je vous aime, bye bye.